This kiln in Sèvres hasn't been fired for nearly a decade. In 1990, it was restored, followed by two firings in 1999 and 2006. Now, 10 years after the last firing, porcelain and birch were again placed in the kiln, waiting to be fired for the Sèvres kiln's 260th anniversary. Cet événement était particulièrement exceptionnel, très, très émouvant. C'est un moment de transmission car nous transmettons les savoir-faire de génération en génération. Pour autant, la manufacture se modernise malgré tout et passer des fours à bois aux fours à gaz, aux fours électriques. Et pour transmettre ces savoir-faire hérités du 18e et là, en l'occurrence du 19e, car ce four à bois date du 19e siècle, nous conduisons, nous faisons fonctionner ce four à bois à titre exceptionnel, normalement tous les 4 ou 5 ans, mais celui-là n'avait pas fonctionné depuis 10 ans. Et donc c'est très émouvant ce moment de transmission où les anciens transmettent aux plus jeunes la manière d'organiser ce four, la manière de lancer cette cuisson, qui est tout à fait particulière et qui demande beaucoup, beaucoup d'exigence et beaucoup d'expertise. Antique but still fascinating, this kiln is a major wood-fired kiln, one of six that were first built in 1876 when Ambrose Millet was in charge of La Manufacture de Sèvres. It's about transmitting from one generation to another, because there were quite a lot of younger people also that will be able in the future to continue this kind of to set up this kind of know-how of event. I think it's really about maintaining the craftsmanship, about maintaining the know-how without any consideration of productivity, but really about the artistic and the craftsmanship values that are the values of the brand. C'est un moment à la fois donc de transmission et de création, un moment de réunion, un moment de fête. Au-delà de l'allumage, c'est deux jours de cuisson en continu, où toute l'équipe de la manufacture, du musée, de l'établissement public se réunit. C'est très, très festif, comme une sorte de tribu, de village qui se réunit autour du feu. Il y a quelque chose de très originel, de presque primitif autour de cette communauté qui est autour de ce feu qui, par ailleurs, est circulaire. Et c'est très émouvant pour moi d'avoir pu officier, en quelque sorte, lancer cette cérémonie. The kiln itself is a serious construction. L stands for laboratoire, where porcelains are stacked to be fired. The middle part of the kiln is another laboratoire, and then another one with chimneys. Two fireplaces are set beside the first laboratoire. In the center, a major vent, as well as several vents around, connect the laboratoires to circulate the hot air. Beside the second laboratoire, there are another two fireplaces to boost the heat. Only birch is proper for firing in this kiln. It burns quickly, lasts longer, and leaves less ash. Each time this kiln can fire more than 100 pieces of different sizes and shapes. La valeur ajoutée de chaque pièce dans ce type de cuisson,
C'est justement parce qu'elles vont être le témoignage d'un savoir-faire particulier derrière. Elles sont porteuses de ce savoir-faire. Ça va avoir demandé, ce sont quand même des cuissons qui demandent un minimum d'un an à deux ans d'anticipation. Vous avez, des pièces qui sont produites spécialement pour. Ça fait appel à un choix de forme. Donc le choix des formes nécessite du temps, il faut les produire spécialement. Vous avez le choix des décors, il faut donc le temps aussi de les choisir et de les produire. Et la décoration est longue. Parfois, et ce qui est le cas pour le dernier four à bois qui a eu lieu le 20 octobre, vous avez le choix des artistes. Alors, vous êtes dépendant de leur disponibilité, mais eux-mêmes, il faut qu'ils imaginent les décors. Donc tout cela prend du temps. Donc c'est un minimum d'un an, de toute façon. Nowadays, this traditional approach can rarely be found. And every piece, created in such a way, comes with distinguishing features and long-lasting value. These porcelains are waiting to be refined before going to the kiln. Some of them, even with the most unnoticeable imperfections, become models for younger craftsmen. Some models date back to the 18th century, providing rich references to the craftsmanship of the time. Trimming is an important process that uses different tools to refine each piece according to the shape and the required effects. Porcelain sculpture demands extra skills and attention to detail. This porcelain rose used to decorate the palace of Madame de Pompadour and amazed King Louis XV. After the French Revolution, the royal delicacy became available for other aristocrats. Now we have the chance to appreciate the sculpture in the making. Colouring is a way to decorate the porcelain. The artist is applying colour to the piece with wholehearted concentration. Returning to simplicity, biscuit firing produces colourless porcelain. It can be just as much a piece of art as a coloured one. The laboratory preserves all the colours that have been experimented with in Sèvres since the 18th century. Firing may affect the result and produce unexpected colours. These soft porcelains were fired at a temperature that allowed them to preserve their lively colours, while true porcelains have to be fired at a much higher temperature, which produces fewer colours. Purple, green and yellow are the most common results. The designs on Sèvres porcelain came from the requests of the royal owners, as well as the inspiration of the artists. Since the beginning of Sèvres, a lot of artists have contributed to the making and to the inspiration of
of the objects, of the pieces, including François Boucher, including Duplessis, including Falconet, up to contemporary artists like Alexander Calder, like Zhao Wuki, like Xu Teshun, like Louise Bourgeois. The artist and the designer work very close with the craftsmen in Sèvres. So it's a talk between the artist and the craftsman. I think the image of Sèvres with collaborating with different artists is changing now, because there is three values for us very important. It's exception, creation, and boldness. And regarding this boldness, we try to work with artists capable of going further in the ceramic way and world. So the image of Sèvres and the service de table is changing through the collaboration with artists. Artists obtain great joy from this cooperation. Pour moi, c'est vraiment une chance et quelque part un honneur de pouvoir collaborer avec Sèvres, parce que c'est quand même une maison qui a une histoire vraiment très très ancienne, et de pouvoir jouer avec l'histoire d'une grande maison comme ça et d'y participer, c'est vraiment très très exaltant. Et après, effectivement, là, je dois dire, enfin, la collaboration commence avec des formes qui sont d'époques différentes. Donc, il y a des vases qui sont certains assez classiques du 19e siècle et d'autres contemporains. Et en fait, rien qu'avec cette série-là, en fait, on est déjà sur au moins 100 ou 200 ans d'histoire de vases de Sèvres. Sèvres, c'est un lieu fabuleux. Fabuleux, fabuleux, formidable. Je ne connaissais pas, mais travailler ici avec une équipe extraordinaire. Et la porcelaine, c'est quand même un matériau magique, vraiment magique. Et quand on a touché à ça, je crois que c'est comme une piqûre, enfin quelque chose, on a envie de revenir aussitôt. After modeling, refining and decorating, these porcelains are now ready for firing. Après, vous avez l'enfournement lui-même qui va vous prendre un mois, le temps de bien protéger, de bien rentrer. Alors les pièces, quand vous les manipulez, elles sont pas cuites, donc l'émail est encore poudreux, c'est extrêmement fragile. Si les pièces sont volumineuses, elles sont compliquées à déplacer. Donc il faut prendre le temps qu'il faut, et là c'est un minimum d'un mois, le temps d'enfourner toutes les pièces. Puis ensuite, vous avez cette porte, hein, qui est un mur maçonné. Ce sont deux murs maçonnés, en fait. Vous avez deux épaisseurs de murs avec du sable entre les deux. Rien que pour cette porte, il faut au moins 2 semaines de séchage avant de pouvoir démarrer le four. Ensuite, vous aurez une montée en température pour monter à 1280 degrés de 33 à 35 heures de cuisson. Ça dépend un petit peu du four, mais en général, c'est 35 heures. Et il va nécessiter 3 semaines de refroidissement avant de pouvoir ouvrir la porte et de découvrir ce qu'il y a derrière. Firing in this old kiln can produce porcelains of unparalleled quality, but the quality comes with a risk. La particularité là, c'est que c'est l'homme qui va maîtriser la montée en température, qui maîtrise le moment où il met du bois à l'intérieur pour faire monter la température à chacun des alandiers. Et quand je dis l'homme, hein, ce sont les hommes, parce qu'il faut imaginer que pour conduire un four de ce type, il faut une équipe d'une vingtaine de personnes qui va se relayer en permanence pendant 35 heures. Donc effectivement, l'intervention humaine est beaucoup plus forte sur ce type de cuisson, et du coup, l'aléa est beaucoup plus difficile à contrôler. Aujourd'hui, dans les fours à gaz et dans les fours électriques, vous avez des contrôles électroniques qui vous permettent de régler la température, et le four, il suit exactement ce que vous lui avez demandé. Là, il va suivre ce que vous essayez de lui imposer, parce que voilà, il faut savoir être humble face à la matière. Et donc, dans ce type de cuisson, effectivement, il peut y avoir un peu plus de risques que dans un four à gaz ou un four électrique tel qu'on les connaît aujourd'hui. Maintenant,
nous savons, régulièrement mener des cuissons de ce type. Nous le faisons régulièrement. Sur une trentaine d'années, j'ai vu 5 à 6 fours menés, 5 à 6 conduites de fours à bois menées. Il y a toujours des accidents, mais pas des accidents graves. Ce qu'on appelle accident en termes de céramique, c'est le décor est pas tout à fait tel qu'on le souhaitait, ou l'émail a un petit peu bullé, ou la forme s'est effondrée. Mais c'est des défauts que l'on peut rencontrer aussi dans les autres types de cuisson. Maintenant, il peut nous apporter des surprises. Ça, c'est un risque qu'on aime courir. Les surprises que peuvent apporter ce type de cuisson. Il peut se passer des petits phénomènes d'oxydation et de réduction qui vont modifier les couleurs et les transformer pas forcément tels qu'on les attend, mais ce sont des risques à courir parce qu'on a parfois de très belles surprises. It does come with beautiful surprises. With more than a year of preparation and more than a month of firing, this old kiln reignites the tradition of fine porcelain making. C'est une très grande surprise, parce qu'au début, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, on se dit, on ne sait pas où on va, on est un petit peu aveugle. On travaille avec des couleurs qui sont un peu ternes, qui sont parfois roses. Et on sait que ces couleurs-là seront peut-être bleues ou grises, on ne sait pas exactement. On a fait des essais, mais est-ce que c'est vraiment juste? Et il y a une transparence aussi qui n'existait pas au début. Donc tout ça, il y a une alchimie, une transformation entre le premier travail et ce qu'on voit à la sortie. Donc on en arrive avec un petit peu d'inquiétude, d'appréhension. Et quand on voit ça, des fois on se dit « Ok, c'est bon !» On dit « Ouais, ça marchait !» Et là, on est très content, évidemment. On peut se dire « Non, ça n'a pas marché, mais là, ça a bien marché. » Je trouve que la transformation laisse apparaître plus que ce que je n'imaginais. Donc cette augmentation, on va dire, c'est un... Je pensais que ce serait bien, mais c'est encore mieux. C'est pas mal. Je suis assez content. Très content même. En voyant le résultat, forcément, j'étais très ému. Je pense que je l'étais en plus maintenant qu'au moment du démarrage du four. Parce que là, je vois vraiment le résultat de tout ce que j'ai fabriqué. Et de tenir dans les mains les vases, c'était émouvant. Et après aussi, j'étais très content de voir le résultat de la brillance de l'émail qui rentrait bien, la profondeur du noir qui est très belle, le rouge aussi qui est pas exactement le rouge que j'imaginais, mais qui en même temps marche bien, je pense, qui a une belle profondeur et qui ça fait un bel équilibre entre les trois couleurs que j'ai choisies. Et comme je sais que c'est des couleurs qui sont difficiles et que c'était expérimental, je suis très content du résultat. The firing became a celebration for all. Potters and artists, elders and youngsters, everyone is part of the transmission of the tradition. Que je trouve très magique dans un événement comme celui-ci, c'est la notion de partage. Voilà, c'est-à-dire que c'est un événement qui n'appartient pas qu'à l'équipe des fours, à un seul atelier, il n'appartient pas qu'à l'équipe des personnes qui ont émaillé les pièces ou décoré les pièces. Ça appartient à l'établissement dans son ensemble. Il y aura autant de monde à la sortie des pièces qu'il y en avait pendant la cuisson. On est obligé de faire un appel à candidature pour avoir les équipes suffisantes pour conduire le four. Pour autant, beaucoup, malheureusement, des gens qui postulent ne peuvent participer à cette cuisson. Et on espère fortement qu'il y en aura suffisamment d'autres derrière pour que tout le monde dans l'établissement puisse avoir la chance de conduire au moins une fois un four à bois. C'est un événement très particulier qui est fédérateur et... C'est un des savoir-faire que tout le monde peut partager. Alors c'est une fierté parce que c'est un aboutissement évidemment, mais c'est aussi une fierté d'avoir partagé ça avec tout le monde. Et je suis fière de travailler avec tous ces artisans qui sont des passionnés de leur métier. Voilà, pour moi c'est ça.
After the firing, this kiln will be left in peace. Next time it will be ignited with another generation.